Et donc le voici, le tout nouveau Ligoo, après avoir sorti des modèles, on va dire milieu, pas milieu haut, hein, milieu. Voilà qu'ils sortent un modèle plutôt bas, mais un modèle qui n'est pas dénué d'intérêt. Mais bon, voilà, ils tirent les prix. Alors actuellement, il est autour des 70 euros ce modèle M5. Et bien écoutez, pour avoir des prix aussi bas, bien entendu, il faut aussi tirer sur le packaging. Et là, vous voyez, on dirait une boîte très ordinaire. Vous le voyez, ça s'ouvre très facilement. C'est pas tip top, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de boîte. C'est du très 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 simple. Alors, on sait qu'il est équipé d'un processeur MediaTek qui n'est que 3G, donc vous vous en doutez, s'il n'est que 3G et MediaTek, alors on doit être certainement sur le MTK6580 qui est à 1,3 GHz. Alors, on va ouvrir, moi je l'ai déjà ouverte, hein, bien entendu, donc je vais retirer le film plastique qui était par-dessus déjà au préalable, enfin le sachet plastique qui était dessus. Donc il y a ce film que j'avais déjà retiré, mais je voulais vous montrer comment il était. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'on a un écran Super HD. Alors, Super HD, c'est pas du Full HD, c'est pas du HD, c'est au-dessus. Mais pourtant, on est bien en 720p. Donc, c'est du Super HD. Alors, c'est un écran 2,5D. Il résiste aux balles, hein, bulletproof. Alors, attention, c'est peut-être un petit peu exagéré. J'ai ce qu'il faut à la maison, du gros calibre, et je crains qu'il ne résiste pas non plus au gros calibre et même pas au 22 long rifle. Mais bon, c'est eux qui le disent, hein. Alors, on a un ultra fast fingerprint. On a tout de même 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. On a, en termes de caméra, du 5 plus 8 mégapixels sans interpolation, semble-t-il. Du vrai 5 et du vrai 8. Alors, je sais pas, mais c'est ce qu'ils disent ici, hein. Moi, en lisant ailleurs, ce que j'ai vu, c'est qu'on a du 2 interpolé en 5 et du 5 interpolé en 8. Donc, ça risque d'être moyen en termes de photos. On verra ça. Ensuite, on a un bass sound system. Alors là, attention les yeux aussi. Parce qu'un bass sound system, je vous dis pas la grosse machine que vous posez au sol et qui envoie le son, je ne crois pas qu'on soit à ce niveau-là. Et je crains que ce film soit vraiment trop marketing, à mon avis. On le retire et on va vérifier ça rapidement. Je repose dans son emplacement et on va vérifier le contenu de la boîte tout de suite avant d'attaquer le téléphone. Et voici ce que vous avez à l'intérieur, donc réduit à sa plus simple expression, et vous le voyez, c'est vraiment du carton très très basique. Pas de protection arrière type coque silicone, pas de flip cover, pas de protection d'écran supplémentaire. Vous avez un casque, un câble USB, micro USB et un chargeur. On a l'impression de revenir un petit peu en arrière, quelques années en arrière, chez les fabricants chinois. On retrouve le même chargeur identique chez tout le monde actuellement. Et vous avez un chargeur de 1 ampère. C'est très 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 peu lisible, c'est écrit très petit, donc je vous le montre même pas. Alors, ce téléphone, il est déjà allumé. Il y a un film de protection sur l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, bref, je l'ai laissé pour le moment. Alors, bon point, déjà, c'est les clics des boutons. Ils ont un vrai bruit de vrai clic. Voilà, ça, c'est important. Ça, j'aime. Donc, malgré son premier prix, c'est déjà un bon point. Alors, il est fait entièrement de métal pour ce qui est du cadre. Alors, on va faire le tour tout de suite du téléphone. Sa coque arrière, plastique. Ça aurait pu être du plus bel effet avec l'espèce de petit nid d'abeille dessiné, mais alors cette coque brillante, je n'aime pas du tout. C'est personnel, hein, une fois de plus. Alors par contre, elle tient très bien. Voilà. Donc, toujours aussi propre, hein, chez Ligoo tout de même. Deux autocollants de contrôle qualité, un autocollant prouvant que c'est bien Ligoo.
parce que bien que ce soit du chinois, bah, il y en a d'autres qui copient du chinois, donc il y a un chinois qui copie Ligou. Et la batterie, c'est du 2300 milliampères, donc j'étais pas loin, j'avais dit 2200. Donc on sent les câbles par contre en dessous, contrairement aux dernières réalisations plutôt milieu haut, donc de chez Ligou. Là, on sent, voilà, les câbles, les antennes, enfin tout, quoi. Donc, bon, en tout cas, c'est propre et bien collé, mais vous les voyez ici. Donc, SIM 1, SIM 2, donc c'est de la micro, micro SIM 1, micro SIM 2, et la carte SD ici, rien de particulier. Donc, le bass sound system est là, et donc, vous le voyez, rien de plus que d'autres téléphones. Donc ça m'a l'air un petit peu exagéré comme terme. Hop, on ferme tout ça, ça clipse bien, ça garde les empreintes de doigts et en façade, vous le voyez, le film de protection garde bien aussi les empreintes de doigts. Alors, si on fait le tour du téléphone, vous le voyez ici déjà, il y a eu un premier petit pet en usine. Donc le contrôle qualité est passé, je ne sais pas pour quelle raison. Ou alors c'est le vendeur, ou alors c'est quoi? C'est du sale, c'est quoi? Bien écoutez, non, j'exagère, c'était du sale, quelque chose de collé dessus, donc voilà. Allez, on essaye de faire une belle mise au point là-dessus. Donc vous le voyez, le dessin quand même est plutôt joli. C'est proprement usiné, c'est joliment usiné, tout de même. Donc le micro, la prise micro USB. Sur le côté gauche, vous n'avez rien, hormis du métal. Oui, c'est du métal, c'est légèrement frais, même s'il fait très chaud. La prise jack 3.5 pour votre casque. Le bouton power, le volume plus moins, avec du jeu, mais très très peu. Pas de jeu en hauteur, très très peu en profondeur de cette façon, très très peu, mais alors vraiment infime. C'est quand même joliment usiné, vous le voyez parfaitement la caméra, mais alors vraiment, vous le voyez là, c'est pas mieux pour récupérer les empreintes de votre voisin si vous avez envie de vous fabriquer un faux doigt pour son lecteur d'empreintes. Bref, ça marque terriblement et c'est très très vite gras. Alors, à l'arrière, vous avez donc ce capteur de 5 mégapixels interpolé en 8, qui paraît avoir une belle ouverture d'ailleurs. C'est joliment intégré dans une plaque de métal ou plastique façon métal, je ne sais pas trop. Un simple LED, oui, une simple LED blanche, et le lecteur d'empreintes. Donc, l'on a facilement en main. Voilà, donc une façade arrière qui marque aussi les empreintes et donc le trou pour le haut-parleur. Et donc ce modèle M5, Ligoo a mis de côté pour une fois depuis un bon moment son Ligoo OS. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ils ont aussi changé de message marketing. Téléphone stylisé, stylé. Donc on est loin du Go. Avec Ligoo, donc là on est sur du stylish phone et nous sommes sur de l'interface OS Freemi. Voilà l'information qui arrive avec ce téléphone, c'est de l'OS Freemi. Écran essuyé et prêt à répondre au doigt qui va l'effleurer. Alors vous avez vu l'interface ici, c'est je ne sais pas si c'est Freemi ou si c'est Ligoo qui l'a intégré, mais je ne l'ai pas vu sur l'interface Freemi du Yuan S1. Mais si j'appuie, qu'est-ce qu'il y a toc? Ok, unlock, voilà, et ok, donc c'est la home. Si je relock, donc là téléphone, ok, téléphone. Et donc ça, c'est doit être les SMS. Voilà. C'est intéressant, pourquoi pas. Alors vous voyez que l'interface ici, heure et météo, c'est exactement la même chose que sur le Yuan S1. Alors on va attaquer et regarder tout de suite les paramètres de cette machine.
Alors j'y ai déjà installé hein, les outils de test. Parce que pourquoi traîner dès l'allumage? Je lui ai dit ok, configure-moi le téléphone avec mon compte actuel qui contient toutes ces applications. Vous avez l'habitude. À propos du téléphone, nous sommes configurés déjà sur le Wi-Fi. Et lui aussi, vous pouvez le voir, il manque une petite barre alors que la borne Wi-Fi n'est pas très loin. Hein. Bon, donc mise à jour du système, on va regarder ça. Il y a déjà, vous le voyez, une mise à jour à faire. Donc on va la télécharger. Alors l'interface ou l'OS Freemi est réputée pour être légère. C'est un OS léger, normalement fiable et compatible avec normalement toutes les applications disponibles sur le Play Store. Il n'y a pas de souci de ce côté-là et on va faire l'update maintenant. Bien écoutez, on va le faire tout de suite. Et voilà la mise à jour réalisée. Donc bien écoutez, on va pouvoir attaquer. On va vérifier à nouveau les paramètres. Bonne accélération de l'écran. Donc de l'Android 6, et vous le voyez à chaque fois. Donc c'est bien du Ligou M5 Freemi OS, Freemi OS, hop hop hop. Et à la fin, numéro du build. C'est un numéro de build en test. Bizarre. Bon, première chose, pas de rétroéclairage de boutons, vous vous en doutez, 70 euros le téléphone et pas de LED de notification. Et pour ce faire, on va prendre un câble et le brancher. On va vérifier ça de suite. J'ai mon câble et on va vérifier s'il est. Donc vous le voyez, batterie en charge, pas de LED de notification. Donc pas de rétroéclairage, pas de LED de notification. Ce qu'on peut regarder tout de suite lors de notre vue, c'est. Est-il tout de même OTG pour lire nos cartes ou nos clés USB, ce qui est pratique lorsqu'on a des photos. Et bien écoutez, malheureusement, il n'est pas OTG non plus. Alors, il est choc-proof et tout le reste, mais il n'est pas OTG, pas de LED de notification, pas de rétroéclairage. Donc ça, c'est dit et fait. Comme ça, la revue. De ce côté-là, c'est fait. Donc, ils ont créé par défaut le dossier Google, dossier outils, dossier médias, comme le Freemi OS qui était livré avec le Yoann S1. Ensuite, il est livré avec donc un Power Save Mode. Et voilà ce que c'est le Power Save Mode, ce qui est pas bête, pas idiot. Ce qui vous permet de ne pas avoir toutes les couleurs, de ne pas charger l'intégralité des couleurs. Qui vont utiliser et consommer énormément de batterie. Du coup, vous vous retrouvez avec une interface simplifiée, mais amplement suffisante pour pouvoir économiser de la batterie, ce qui est pas bête. Voilà. Alors, on va revenir. Exit. Alors, l'exit, vous l'avez pas vu, mais il est écrit exit. Donc, une petite faute de saisie. Bref. C'est pas bien grave. Ensuite, centre d'embellissement. Donc, ça va être les thèmes que l'on retrouvait un peu sur la partie Yuan S1, mais là avec encore beaucoup plus de choses. Purple Yoke, qu'est-ce que c'est? Voilà. Après, il y a des choses avec des petits chats. Des petits bidules, des petits machins, c'est très mignon, voilà, c'est un peu kawaii, hein, comme on dit. Là, c'est avec les fleurs, bon, voilà, c'est pas mon kiff le plus total, ce genre d'interface, mais bon, ça a le mérite d'exister, et pourquoi pas, je vais télécharger un thème et on va voir ce que ça donne. On applique. Eh bien écoutez, c'est même peut-être un peu plus joli que l'interface par défaut. Voilà, finalement, on voit mieux l'horloge, on voit mieux la météo. Après, bon, bah, les icônes, ça reste, voilà. Bon, pourquoi pas. Donc voilà un aperçu du centre d'embellissement. Le Play Store, vous l'avez. Et c'est le vrai Play Store, donc il n'y a pas de souci, ils ont juste changé l'icône. Google Photos, tout ça, c'était à moi. Vous avez le Ligou Share.
qui permet de donner son avis. Et donc, ce que l'on va configurer tout de suite ensemble, c'est l'empreinte digitale et vérifier que ce lecteur d'empreinte fonctionne correctement. OK. Ajouter une empreinte digitale et on y va. Suivant comment vous positionnez votre doigt, il fait des tout petits coups de lecture. Ou alors, si vous positionnez correctement, vraiment votre doigt complètement à plat, il fait une grande lecture. OK, alors, qu'est-ce que vous voulez contrôler avec ce doigt ? Numérotation tactile, glissage de bureau, commande de vidéo, commande de musique, alarme ou le contrôle de l'appareil photo. Pour vos selfies, c'est parfait, c'est fait pour les jeunes. Allez, c'est ce qu'on va dire. Est-ce qu'on fait la lecture tout de suite ? J'imagine que non. Voilà, première lecture et allez, on y va. Eh bien, écoutez. C'est du rapide, pas besoin d'appuyer fort, c'est instantané, pas de raté. Donc, écoutez, lecture d'empreinte, nickel, parfaite. Je suis même impressionné. On va essayer tout de suite le mode selfie. Et alors, rotation de la caméra. Et voilà, il l'a prise. C'est instantané aussi, c'est très rapide. Voilà. À la place de mes yeux, vous avez une marque. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. Propre, très propre et fonctionne parfaitement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder tout de suite l'appareil photo. Comme ça, ce sera fait. Et est-ce que l'appareil photo, c'est un peu comme la partie c'est différent. Ça ressemble étrangement tout de même à la partie U1S1 que je vous avais pas montré. Mais c'est un peu le même principe. Toucher l'écran pour prendre des photos. OK. Est-ce que vous mettez une grille ? Capture des gestes ? Non. Bruit d'obturateur ? Par défaut, il y a oui. Mise à jour logiciel ? Rechercher des mises à jour ? Partie section caméra ? OK. C'est déjà la dernière mise à jour. Normal. Alors, on revient dessus. Mode beauté. Vous pouvez mettre des petits textes. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoutez, vous avez le petit texte avec. Voilà. I love you. Miss you. C'est très mignon. C'est pour les filles, tout ça. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, on va quitter le mode watermark. Si je peux. D'accord. Donc, mode... OK. Humeur. Taille mon âme dans ton nom, c'est beau, hein. Bref, la vie est courte et rien ne dure pour toujours. Voyage, OK. Nourriture, toc. Et vous pouvez en télécharger encore plus. Eh bien, ça devient des téléphones super multimédia bidule. On quitte le mode. Je sais pas comment on fait. Je veux le quitter. Mode enfant. Cloche. C'est pour ajouter des sons. Bon, vous pouvez en télécharger encore plus. Je veux revenir au mode normal. Et bien voilà, nous sommes revenus au mode normal. Alors, vous voyez la petite image animée dessus. Alors, on va arrêter de bouger dans tous les sens. La mise au point semble se faire assez rapidement. Je vais prendre une photo plus loin là-bas. D'accord, et puis une autre ici à droite.
Voilà, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Je crois que ce Freemi OS, même avec des caméras simples, fait quand même du boulot plutôt propre. Regardez bien. C'est tout net et malgré l'interpolation, mais écoutez, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, je vais reculer un peu pour qu'il fasse quand même une mise au point propre. Donc, la netteté n'a pas été faite sur le petit bonhomme, hein, ça a été fait plutôt là-dessus. Voilà, et la boîte verte qui reste bien verte, hein. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez, ça demande à être approfondi, mais je trouve que ça fonctionne vraiment proprement tout ceci. Alors, centre de ressources sur la partie photo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, vous avez mode bébé, mode bidule, téléchargement des modes, téléchargement des ressources. D'accord, donc c'est tout. Bon, je vous passe sur l'ensemble des tests habituels que sont test CPU, GPU. Vous vous doutez bien que ce n'est pas un foudre de guerre, même si le MTK 6580 à 1 Go 3 Go Hz fonctionne quand même plutôt pas mal. Il est associé au Mali T400, donc ça donne un ensemble cohérent, mais ce n'est pas un foudre de guerre, ce n'est pas un téléphone clairement fait pour jouer avec des très gros jeux. Donc ça, vous le savez et vous vous en doutez. Bref, en tout cas, son résultat en toutou, il est classique pour le 6580, on est aux environs de 25 000 points. Voilà, on est à 24 500 sur celui-ci. Ensuite, c'est un écran à 3 points. Pas 5, mais 3 points uniquement. Ensuite, par contre, ce que je voulais vous montrer tout de même, c'est le screen test, parce que voilà, c'est un bon travail fait par l'IGOU. Vous le voyez, il n'y a pas de taches noires, pas de taches blanches, ni au milieu, ni sur les bords. Parfaitement collé, un collage parfait. Donc, c'est du bon travail. Et surtout, une calibration de couleur plutôt agréable, et bon, en tout cas, beaucoup plus agréable que mon précédent test, qui était le Blackview R7. On n'a pas l'impression qu'il y a un gros film gris dessus. C'est pas trop fade. Ça manque un peu de pêche, mais bon, voilà, le résultat est là. C'est que c'est quand même agréable à l'œil, avec des niveaux de gris vraiment nickel, des dégradés de couleurs. Vous les voyez, qui sont quand même plus joli que sur le Blackview R7. Le seul petit point qui pourrait être gênant, c'est ce manque de différence entre le jaune et le vert ici. Bon, voilà, c'est tout. Ensuite, bah, pas grand-chose d'autre. Alors, le point que je voulais vous montrer, et c'est un point important sur ce téléphone, c'est le GPS. Voilà, puisque le film ne fonctionne pas. Alors, bonne surprise et même excellente surprise, puisque le premier fixe est fait en 4 secondes environ, hein. Mais par contre, le nombre maximum de GPS fixés est à 7, ce qui est donc moitié moins par contre que le TCL Flash Plus 2, qui était à 14 en utilisation pour faire sa triangulation, même si 3 suffisent effectivement. Bon, 7, c'est pas mal, mais ça peut mieux faire, clairement. Mais c'est tout de même un très bon résultat et une bonne surprise que ce fixe se fasse en 4 secondes. On va continuer avec la caméra. Je vous montre photos et vidéos en incrustation comme d'habitude. Et puis, écoutez, on en parle juste après. Et après, j'ai rajouté une petite nouveauté de test. On me l'a demandé. Donc, bah, j'exécute parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Parce que c'est vrai que les téléphones chinois sont réputés pour intégrer pas mal de malware, de logiciels un peu espions, ce genre de choses. Bref, donc bah, écoutez, voilà, il est là l'icône. J'ai installé Malware Bits. Et donc, eh bien écoutez, on va regarder ça après les photos et les vidéos. Alors à tout de suite.
Voilà un des exemples de photos donc que je vous ai mis juste avant. Photo prise donc là sans flash. Bon, voilà, c'est un travail propre, même si ce n'est pas extraordinaire, mais pour un téléphone, un smartphone à 65-70 €, eh bien écoutez, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Les couleurs sont assez réalistes, pas de déformation. Là, de la même façon, elle est assez lumineuse. Il y a les couleurs et les taches que l'on voit sur ces feuilles, donc qui sont très réalistes aussi. Pas de déformation de couleur non plus. Bon, voilà, c'est de l'interpolation en 8, hein, donc bref, c'est. Mais je trouve, voilà, regardez, c'est quand même assez propre. En soi, c'est pas extraordinaire, je le répète, mais ça fait quand même tout de même bien le travail. On en vient à ce que je vous ai dit juste avant sur Malwarebytes. Alors, Malwarebytes est un outil que vous pouvez télécharger sur le Play Store qui vous permet d'analyser votre téléphone, à savoir quels sont les logiciels qui peuvent être des logiciels espions, récupérer des données, les envoyer à quelqu'un d'autre, bref, ce genre de logiciel que l'on n'aime pas avoir sur un téléphone. Eh bien écoutez, sur le Ligou M5, un seul programme malicieux, comme il dit, et c'est Ligou Share. Alors, pour moi, Ligou Share, je ne pense pas que ce soit vraiment, vraiment, alors malicieux, oui, parce que il récupère des informations du téléphone en cas de problème et vous les transférez chez Ligou directement. Alors, si de cette façon, effectivement, on peut dire que c'est malicieux, beaucoup de constructeurs aujourd'hui intègrent ce type de logiciel qui permet de récupérer des informations du téléphone en cas de plantage pour les transférer pour analyse par les ingénieurs de la marque. Alors, ça existe aussi sur du Windows 10, sur du Windows 8, ça existe sur l'ensemble des OS, que ce soit pour téléphone ou même PC ou Mac. Je dis clairement que ce téléphone, je n'ai pas de souci à le dire, que ce téléphone n'a pas de malware très vicieux et même dangereux pour votre téléphone. Voilà, donc c'était la nouveauté que j'intégrerai dorénavant sur l'ensemble des tests. Et ce, à la demande d'un abonné. Donc, j'ai trouvé que cette idée était effectivement très bonne. Donc, voilà, il est là, il est installé, et dorénavant, il sera lancé sur chaque téléphone testé. Un point que je voulais aborder avec vous, c'est le Bass Sound System. Vous avez noté, lors de la revue, l'étiquette qui annonce, attention, c'est du Bass Sound System. Bien écoutez, on va tester ça tout de suite, le gros son de ce téléphone. SoundCloud a été lancé, donc je vous rappelle, Bass Sound System, et j'ai trouvé un petit titre en free download là, celui-ci, je monte le son à fond, et puis bien écoutez, on va voir si c'est vraiment du Bass Sound System. Alors ça la pêche, hein, il n'y a pas de souci, hein. Maintenant des basses, des médiums bas, oui, mais des basses difficiles à en avoir tout de même. Mais un son, franchement, qui ne sature pas et est très clair. Ça vibre vraiment bien sous le doigt, par contre, c'est étonnant, vraiment ça vibre, et vous l'entendez, ça ne sature pas. Ah non. Ah
vraiment, c'est effectivement une bonne surprise, ce son. Alors, bass sound system, c'est exagéré, bien entendu, vous l'aurez compris, mais franchement, c'est une très bonne surprise que le son sur ce M5 de chez Ligou. Il y a franchement presque des basses parce que vous positionnez le doigt en fait vraiment devant sans étouffer le son et vous sentez vraiment des vibrations de basse. Et très honnêtement, écoutez, vous l'avez entendu je pense par vous-même, il n'y a pas de saturation et les voix sont claires, les aigus sont clairs comme souvent bien entendu, mais là les aigus sont clairs mais non saturés. Donc franchement bonne surprise que le son de ce Ligou M5. Voilà pour la revue test de ce Ligou M5. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a convenu. Elle n'est peut-être pas aussi complète que d'autres, mais ça reste un petit téléphone qui fait correctement le boulot, qui est, on va dire, assez puissant pour faire tourner quand même des jeux petits, pour faire tourner vos Facebook. C'est un téléphone clairement orienté jeune, même si je n'aime pas la coque arrière et sa couleur et sa texture, donc comme je disais dans la revue du début, façon nid d'abeille ou on va dire peut-être carbone, voilà, une espèce de texture carbone, je n'aime pas du tout la couleur et cette façade brillante. Ça, c'est mon avis. Alors, on va attaquer les pour et les contre, et puis je ferai la conclusion après avec le graphique, comme d'habitude, généré avec ses notes. Alors, les pour. Les pour, sa finition, parce que un téléphone à 70€ avec un aussi beau cadre, parfaitement usiné, joliment dessiné, chapeau, je trouve que voilà, c'est du beau boulot. Ensuite, les pour son lecteur d'empreintes, très clairement, très efficace. Son écran, un 720p, donc du HD, qui a une colorimétrie assez agréable, qui ne sature pas les couleurs, qui manque peut-être de brillance, mais il n'est pas triste à l'œil nu. Voilà, c'est tout le contraire du Blackview R7 que vous avez vu précédemment. Alors, en plus, écoutez, je dirais son GPS qui a répondu vraiment en quelques secondes, hein, c'est 4-5 secondes maximum pour faire son premier fixe, qui est un excellent résultat. Voilà. Ensuite, les contres. Alors, les contres, le capteur qui manque, clairement, de définition, 1.5 interpolé en 8, ils auraient pu, je pense, insérer un 8 qui aurait fait quelque chose de quand même meilleur de ce côté-là. Les contres, écoutez, l'écran, bien entendu, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais l'écran qui n'est pas traité. Voilà, vous les voyez très 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 bien, les empreintes. Donc pas de rétroéclairage, pas de lettre de notification, mais je tiens à rappeler que le Blackview R7 à 160-170€ n'a pas non plus de LED de notification ni de rétroéclairage pour les boutons. Ensuite, en contre, pas grand chose finalement. Moi, j'aime pas la coque arrière, mais ça, c'est personnel. En contre, je trouve vraiment sincèrement que je n'ai pas grand chose à dire en contre par rapport à ce téléphone. Et j'ai oublié un pour. Moi, le Freemi OS me plaît bien parce qu'il est vraiment fluide. C'est un OS rapide et lorsque vous regardez effectivement, il est léger et consomme pas beaucoup de batterie. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Alors du coup, écoutez, on va attaquer les notes. Alors, concernant les notes de ce M5, je vous mets le graphique ici. Donc, vous le voyez tout de suite, en performance, je lui mets 6. Pourquoi ? Parce que le 6580, pas de 4G. Je mets ça avec les performances, parce que, ça reste un processeur simple. Donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de fabuleux sur des gros jeux. Ça sera lent, ça va ramer, ça risque de laguer. Donc, ça vaut pas plus que 6. Alors, en termes de design, finition, un design
on va dire classique, donc pas plus que 8, mais par contre sa finition, je lui ai mis aussi 8 parce que bon, c'est pas non plus hein, quelque chose d'extraordinaire, surtout la coque arrière, je trouve, et puis la finition sous batterie qui laisse apparaître quand même antenne et câblage. Bon, voilà, mais c'est quand même une bonne surprise tout de même que ce Ligou M5 en termes de finition grâce à ce cadre aluminium qui est joliment dessiné. La caméra 5, parce que voilà, 5 interpol du 5 mégapixels interpolé en 8, ça fait pas de miracle, c'est pas énorme, ça fait du travail propre mais sans plus. Donc c'est vraiment pour faire de la photo rapide, vous ne pourrez pas faire de la photo et la retravailler sur votre ordinateur par la suite. Contrairement à des téléphones largement plus chers, bien entendu. La batterie 7, parce que 7, elle, c'est une 2300 mAh. Bon, voilà, on aurait pu espérer un petit peu plus dans un 5 pouces. Ils ont limité la capacité de cette batterie. Bon, ce qui permet aussi de garder des prix assez bas. Donc, ça vaut pas plus que 7. Et par contre, prix, bah 10, parce que, voilà, 70€, 65€ environ, en moyenne, par rapport au site internet qui le vendent. Bah écoutez, il n'y a pas photo, quoi. Moi, je dis bravo quand même, Ligou, pour avoir sorti un téléphone avec un châssis aussi beau, aussi bien usiné, sur un smartphone à 70€. Alors, peut-être que, dans la durée, ça va pas, justement, rester bon. Mais seul un test sur 9 mois pourrait le dire. Si ce téléphone est vendu, si quelqu'un est intéressé, bien entendu, hein, je le répète, mais l'ensemble des téléphones, enfin l'ensemble, quasiment l'ensemble des téléphones sont à vendre. N'hésitez pas à me demander en commentaire si je le vends. Je vous répondrai et le cas échéant, ça sera un oui ou un non. Mais n'hésitez pas à me contacter pour ce Ligou M5 parce qu'il est à vendre. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, on en a fini sur ce Ligou M5. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Cela fait toujours plaisir. Des j'aime, ça récompense un travail qui peut être plus ou moins bien fait suivant la capacité à la personne qui fait la revue à être en forme ou pas, malheureusement. Donc des fois, il y a des jours sans, il y a des jours avec, ça arrive à tout le monde. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour parler soit de la vidéo, soit du téléphone. Je suis ouvert à toute discussion. Je fais le maximum pour répondre à vos messages. Je pense que vous vous en êtes aperçu. Ensuite, eh bien écoutez, n'hésitez pas non plus à partager à vos amis. Parce que des partages et des j'aime, ça fait que d'autres gens voient aussi votre page sur YouTube et se disent « bah effectivement, tiens, cette vidéo est peut-être intéressante et j'ai peut-être m'abonner à ce reviewer ». Voilà, donc j'ai été, je crois, le plus honnête possible sur ce Ligou M5. Une personne m'a dit « oui, ce téléphone a plein de malware et j'espère que vous laisserez mon message, sinon c'est que vous êtes malhonnête ». Et non, je ne suis pas malhonnête. Je dis clairement les choses. Effectivement, une personne après m'a dit « Mais pourquoi, Chris, tu ne mettrais pas un malware Beats ou ce genre de choses pour vérifier que les téléphones que tu testes n'ont pas de malware ?» Et j'ai dit « Effectivement, c'est une très bonne idée. Voilà pourquoi ça a été intégré. » Bah, écoutez, je vous dis, portez-vous bien, faites bien attention à vous. Et puis surtout, à la prochaine !